On dit un gros merci à la sœur Nancy Milo qui dégage direction service là. Et nous saluons tout le monde qui est présent. Et tout le groupe, nous saluons. Et groupe, Pasteur Gardi, Pasteur Jean-Héra, et la sœur Rougie, Platel. Et nous gagnons amis pour la première fois, c'est notre bien-aimé frère Eddy Ravix du côté de Las Carobas. Et nous saluons les amis ça. Et nous souhaitons que le même tour des grandes équipes dans la zone Las Carobas. Nous souhaitons ça. C'est comme ça pour travailler là, avancer. Et chaque monde, et nous avons fait une équipe dans la zone, nous, et un groupe. Et puis de là, pour travailler là, avancer. Pour mission, Église évangélique pour fil des rachetés, qui a venu une très grande mission qui est éparpillée un peu partout à travers le monde. C'est pour ça qu'on a prié, bon Dieu. Et message, nous, pour le prêcher, c'est une série de messages, on a commencé jeudi. Hein? Et qui vient pour thème là, c'est l'Israël du temps passé et Haïti d'aujourd'hui. C'est un message didactique, c'est-à-dire un message d'enseignement. Et là, pour des amis, nous mettons-nous sous silence. Tous les amis, nous mettons-nous sous silence. Pour son bon, là, quand non pas sorti. Les amis sur WhatsApp, mettez-nous sous silence, s'il vous plaît. OK. Les amis, nous, pas encore sous silence. La part des amis sur WhatsApp, mettez-nous sous silence. Bah, ils sont sortis fort. Bon, écoutez, non. C'est Nancy, pas sous silence. C'est Nancy, mettons sous silence. OK, très bien. Oui, thème nous, c'est l'Église, l'Israël du temps passé et Haïti d'aujourd'hui. Même histoire. C'est première série, c'est série 1, message ça. Ça veut dire qu'il y a bien plusieurs autres messages ou bien études nous parlent sur Israël du temps passé et Haïti d'aujourd'hui. Dans l'étude, ça, nous parlons que Israël et Haïti, c'est censé avoir presque la même histoire. On va les tourner pour ça à travers la Bible, même histoire. Et dans l'étude, ça a tout, on va découvrir que nous-mêmes, nous sommes peuple d'Israël. Nous sommes hébreux, vrais hébreux. On va découvrir ça à partir des études, ça. Ça qui est important comme sujet que nous avons besoin et qui est bien en tête, nous avons un grand thème, non? Sujet nous, c'est Anvin joindre bon Dieu. Malgré son étude n'a fait, mais nous oublions pour un sujet quand même. Dans l'esprit que nous besoin, faut qu'on écoute, nous besoin arriver dans l'étude ça. Raison que fait nous prendre l'histoire Israël passé à Haïti, c'est pour nous montrer où État Israël est comme un peuple choisi. Un peuple que bon Dieu choisit. État Israël t'est et comment bon Dieu t'a fait l'autre peuple traiter lui. Ou parlons Israël, nous connaissons Israël formé sous tablé avec famille Jacob. Non, Jacob là, t'es venu changer en Israël, comme on connaît. Israël, ça, bon Dieu, pour faire un travail avec eux, dans le pays, pour faire une forme, dans le pays que l'Égypte. Travail que bon, tu vas faire avec Israël, il va passer par une famille, Jacob, qui c'est une papa très aimée en pile, qui c'est Joseph. Si tu apprends dans Genèse chapitre 37, il vient dans chapitre 50, ou après, parce que c'est l'histoire de la vie de Joseph qui a parlé. Eh bien, après, Joseph, ça, qui était vendu par frère Lio,
il était jaloux de lui-même, devine tomber en Égypte. On a présumé le pouvoir, il parle de trois temps qu'on a connu sur la terre déjà. Devine tomber en Égypte. Tomber en Égypte, c'est pour être capable d'aider la famille. Même là, dans un premier temps, papa était connu, était mort. Jacob te connaît son petit lit perdu. Et frère eux-mêmes, ils connaissent que c'est venu de venir. Ils connaissent monsieur existait, mais ils connaissent monsieur esclave, la travaille comme esclave dans notre pays. Frère, là encore, venu comme esclave. Il n'a pas besoin de tirer dans sa mesure comprendre. Nous avons jalousie, la caille Israël, et si nous avons compris après, même jalousie, ça, la caille chaque grenadien. Presque, chaque grenadien, presque chaque grenadien. La caille, nous, en Haïti, nous connaissons frère, tout est frère pour terre. Frère jaloux pour frère, qui a fait progrès, sœur, raïsseur, une tout et l'autre. Ou après, dans l'histoire, dans la formation Israël, c'est même histoire ça. Le jaloux de Joseph, du fait que bon Dieu servit avec elle, du fait que papa a aimé elle, c'est pour éliminer. Mais le patron plan bon Dieu pour éliminer, malgré la guerre non citerne, il vanni. Et puis devant ce Joseph, ça, les grands goûts mettaient pied dans le Canaran, c'est Joseph, ça, qui pral occuper messieurs. Alors, on dit, monsieur, dame, il va être toute famille. Là, yo, allez manger deux, trois, nos frères, allez manger en Égypte, pour grand goût. Qui laisse qui vient chef? À qui laisse à parler, qui premier ministre en Égypte? C'était Joseph. Pas oublier avant ça, Joseph, c'était des prisonniers. Bon Dieu fait sortir esclave. Des esclaves, les vignes chef, là, dit esclave, déporté à la carte, esclave, vous voyez. Quand il y a Madame Potiphar, même quand il y a Potiphar, même elle a un pouvoir. C'est comme esclave de travail. Même elle n'est pas considérée comme esclave. Parce qu'elle a un droit sur Kaila. Mais nous avons Joseph comme esclave. Joseph qui travaille. Kaimoun qui oublie de mon famille. Qui pas une famille, famille abandonnée. Nous avons Joseph, ça, qu'on est là, il vient tomber dans la prison pour une fausse accusation. OK? Tombé dans la prison qu'on est là, il pourra le délivrer à partir de deux prisonniers politiques qui te fait vision, qui te font rêve, qui te fait un rêve et qui interprète rêve. C'est là Joseph pourra le délivrer lui-même. Malgré Joseph te pensé c'est mon monsieur pour le délivrer, il y a un prisonnier, yo, Pharaon t'a pas le tuer, il y a un prisonnier, il t'a pas le retourner dans la place. Li. Joseph te pensé lui-même. Joseph t'es pensé, c'est prisonnier ça, qui a interprété vision pour dire maintenant c'est lui qui t'a parlé de ville. Lui qui t'a parlé de faire retirer dans la prison. Non. Mais bon Dieu, pour le faire, gros problème dans le pays, pour arriver dans le pays, hein. Pharaon, pour le faire aussi, il y a un rêve qu'il n'a pas comprendre, et même ouvrier ça, ou bien monde qui a travaillé avec Pharaon, c'est lui-même qui pourra le dire qu'on est hébreu dans la prison, capable d'interpréter la vision. Et cette vache grasse, cette vache maigre, qu'on a, cette année d'abondance et cette année de disette pour le frapper en Égypte. On laisse l'invité à finir d'expliquer la vision. On demande à Pharaon pour devenir administrateur pour gérer cette année d'abondance. Ok, dans ma vision, il doit être cette bœuf qui grasse, cette bœuf qui maigre, pas vrai, pour expliquer l'année d'abondance. Mais il va faire un conseil pour le junior administrateur qui a géré l'année d'abondance. Ça, c'est très bon, le moment d'abondance, pour ne pas retourner dans la pauvreté encore, il faut qu'à gérer l'abondance. Et ça fait là, nous, dans même étude, ça, nous, administration, c'est très important. Gestion très importante. Gè sa dans la vie, les gestion du temps, comment gérer le temps. Gè sa les gestion des ressources naturelles et aussi gestion des ressources humaines. Nous allons tout entrer dans ce sens. Gestion des ressources humaines. Pharaon connaît Faljonion Moon, il va besoin de nationalité.
mais qui ont ressources, qui ont des bagages, des valeurs, la qualité de leur bagage, que c'est la veille pour le servir. Il n'y a pas besoin de qui mon était, de servir la veille. Que nous-mêmes, Haïtiens, nous presque par même fait. Nous pas voulu servir avec monde qui connaît. Et au contraire, nous-mêmes, nous avons des défauts. Haïtiens, toujours Abdou, même Haïtiens pareil, yo qui dehors, Haïtiens par là-dedans. Haïtiens dehors pendant l'affaire Haïti. Même là, tout bagaille pays a reposé sur d'autres diasporas, mais en pile, monde qui n'a pouvoir dans le pays d'Haïti, puis il a toujours gagoté, il a dit diaspora ou bien Haïtiens dehors par là-dedans. Okay? Mais il montre là, il fait ça, nous, les ressources, gestion ressources humaines, et il fait aussi gestion ressources en naturel, c'est-à-dire manger, gagner, comment gérer. Il faut qu'on bon monde qui compte, qui a fait, un bon administrateur pour faire. Et c'était Joseph qui t'a fait ça. Joseph fait. Famille Joseph vini, Joseph recevoyo. Dans un premier temps, ça va quitter qu'on est lui-même. Après un nombre de temps, il fait qu'on est, après un pile pays ici, il fait qu'on est lui-même, et il veut chercher yo, toute famille, non? Et Jacob, en total, vient avec toute famille, non? Il était au nombre de 70. Ou par loi 70, ça, Pharaon parle par un côté en Égypte qui est de Gozen. C'est à Gozen que famille ça parle établir. Mais deuxième Pharaon parle le monter, après la mort premier par Pharaon ça, yo parle prend même peuple ça, parle mettre en esclavage. Parce que yo a son peuple qui a grandi, yon peuple qui a progressé, yo pas de peuple ça a dépassé yo, yo obligé de mettre en esclavage. Si vous comprenez bien. Israël passait 430 ans dans l'esclavage. Si vous apprenez Exode, chapitre 12, verset 40, vous apprenez ça. Il passait 430 ans dans l'esclavage. N'appelez-le pour capable pour comprendre ça nous dit là. C'est Exode 12, verset 40. Mon peuple Israël, yo t'es passé 430 ans dans le pays l'Égypte là. Verset 41, même jour qui t'es fait yo 40, 430 ans dans le pays là, jour pour jour, toute la même monde Seigneur sorti quitter pays l'Égypte là. OK? C'est-à-dire yo t'es passé 430 années disons en Égypte. L'on prend même peuple ça, qu'on est là pour quitter l'Égypte, pas bien nous dit Israël, passer un nombre d'années en Égypte. Mais dans un premier temps, avant, les pas esclaves, les passés, ils ont passé, on nous dit 400 années dans l'esclavage. Ça, c'est 30 ans, ils ont passé en Égypte à bien mener. Dans l'époque, disons, Joseph était vivant et premier Pharaon était vivant. Pharaon qui était dans l'époque, pas eux. Les familles ont venir. Vous pouvez comprendre qu'on est là. Haïti, sous d'après Haïti, Haïti passe lui-même 300 années, environ 300 années dans l'esclavage. Vous pouvez dire comment passer environ 300 années dans l'esclavage. Sous d'après l'histoire pays d'Haïti, histoire esclavage, premier groupe esclave entré dans la colonie Saint-Domingue, non? Ils sont entrés en 1503, premier groupe esclave là qui est entré. Premier groupe noir qui sorti en Afrique de l'Ouest, ils sont entrés en 1503. Et nous prenons sortir en esclavage, grand-père nous prenons sortir en esclavage, 300 années après. Et après, ça nous est la bataille de Vertières, 18 novembre 1803, bataille de Vertières. Ça va faire 300 années d'esclavage. Environ 300 années dans l'esclavage. Si nous apprenons quelques autres années, nous mettons encore, oui, tout après l'indépendance pays d'Haïti. Haïti sorti dans la chaîne, il n'y a pas de chaîne dans la main, encore dans le pied, mais il y a toujours une chaîne. Il y a toujours une chaîne, il y a toujours un esclavage. Pas de chaîne dans la main, pas de chaîne dans le pied,
Mais au fond, au bas de l'OEF, toute lutte Haïti menait, mais Haïti était toujours dans l'esclavage non-sens. Mais au fond, nous libérer, nous sortir dans l'esclavage. Bon Dieu, libérer nous, fait nous sortir dans l'esclavage. N'a résumé l'histoire pour même, et très bientôt, on a montré exactement comment bon Dieu t'a libéré nous de l'esclavage. Et nous avons souhaité au même souvenir temps pour t'attendre vidéo ça sur YouTube, qui c'est l'histoire comparée d'Israël et d'Haïti. Une vidéo qui a environ peut-être 6 ans, depuis nous, 6 à 7 ans, depuis nous présenter sur YouTube, et qui c'est une histoire, une étude. Histoire comparée d'Israël et d'Haïti. Et après Israël, ligué presque même superficie avec Haïti. Israël, une superficie 22 055 km². Et Haïti, une superficie, comme on connaît, 27 754 km². Et Israël, c'est un pays montagneux, une grande chaîne de montagnes, lui-même, qui c'est mont. Et mon, qui mesure 1208 mètres, ben comme ça, et de hauteur. Et à Haïti, c'est mon de la selle, montagne de la selle, 2680. OK? Même le mon, Haïti a plus haut que mon, et chaîne mon, et mon en Israël. Mais c'est deux pays montagneux. Ou après ces deux pays, ces deux petits pays, mais Haïti plus grand que Israël. OK? Tous deux peuples saillants, nous retournons en Égypte, qu'on est là. Israël quittait l'Égypte pendant le esclavage. Mais quitter l'Égypte, c'est pour aller au Canaan en direction que mon Dieu va y Terre, mon Dieu te promet. Là, ils sont arrivés, bon Dieu fait route pour eux, faire quitter. Nous ne parlons pas de 10 plaies, la prend trop d'histoire, la prend trop de temps. Pendant le désert, Moïse lui-même, bon Dieu, a besoin de parler avec elle de façon spéciale, monter sous montagne là, au mont Sinaï, où bon Dieu parle avec elle. Et bien, ça, quoi arriver, peuple a parlé Moïse pendant un bon nombre de temps. Il demandait à bon Dieu, il demandait à Aaron, vous m'excusez, il demandait à Aaron, pour Aaron, bah, ils ont leur Dieu, parce que Moïse était Dieu pour eux-mêmes. Il demandait à Aaron, pour Aaron, faire un veau d'or pour eux-mêmes, parce qu'en Égypte, pas oublier, bœuf en Égypte, c'est un symbole, un gros Dieu en Égypte, jusqu'à aujourd'hui. Exactement, on va prendre un pile pays à travers le monde. On va mettre un gros bœuf devant business. Si on va comme ça, comme ça. Peut-être un peu le monde qui parle qu'on est capteur de nos États-Unis. On va prendre un pile bœuf, on mettre on sait des côtés, on sait des statues bœuf. Comme c'est un gros pays, on va dire, ah, c'est pas rien. Mais on va faire comme ça, comme ça. C'est un gros esprit, et un dieu égyptien. Eh bien, ils étaient habitués avec Dieu, ça y est. Ils ont demandé à Aaron pour faire un Dieu pour eux-mêmes. Et Aaron va prendre toute l'or qui est sur eux, va le fournir, va le bailler, ça y est, ils ont veau d'or. Va le faire un veau d'or pour eux-mêmes. Là, on prend un veau d'or, ça, qu'on est là, c'est lui-même, ils vont l'adorer. C'est là, nous disons. Ils n'ont pas voulu nous comme ça, mais très bientôt, nous-mêmes, nous n'avons pas parlé de ça. Nous souhaitons que très bientôt, il y a quelques monde qui parlent de ça, en parabole, mais on va le dire directement. Et il y a un pile qui parle d'accepter avec, mais ils sont obligés d'accepter à son vérité liée. Vaudou sorti de Vaudor. C'est là, grands-parents nous ont commencé, ils ont rejeté mon Dieu. Ils ont abandonné mon Dieu, ils ont oublié à côté mon Dieu de prendre un esclavage en Égypte, ils ont oublié la misère qui a passé. Et bien qu'on est là, ils ont parlé à Moïse, qui ne connaît pas à mon Dieu pour eux-mêmes. Au lieu pour eux servir mon Dieu, eh bien, ils ont pris un veau d'or pour eux adorer, ils ont dansé devant. Et dans Exode 20, bon Dieu dit au bien, bon Dieu dit, c'est un Dieu qui est jaloux.
Non, dit comment bon mon Dieu a baillot, mon Dieu dit, fait connaître que son Dieu qui est jaloux. Bon Dieu pas d'accord pour nous prendre en vain. Eh bien, peuple ça lui-même, qui oubliait que le bon Dieu te prend, qui oubliait le l'esclavage, qui oubliait qui misère passé, eh bien, c'est vos droits, il n'y a pas de comme Dieu. C'est même jour, nous-mêmes haïtiens, nous oubliait que l'indépendance, tout ça, bon Dieu te fait pour grands-parents, nous. Yo. Bon Dieu te retire de l'esclavage. Nous sommes le premier peuple noir indépendant. Il y a un peu de monde qui dit c'est vos doux bandes d'indépendance. Mais parce que vous mal comprendre, je ne dis pas vos doux paladins. Je ne dis pas en tant qu'intellectuel avisé, ou bien son pléonasme, un intellectuel avisé, mais en tant qu'un personnel avisé, je ne dis pas vos doux contribuer là-dedans, je ne dis comment. Parce que c'est même vos doux ça, même esprit ça, que grands-parents nous ont gagné dans eux-mêmes. Et au parloir, puis devant Israël, pour diviser tout le même esprit, ça y est. Et bien, ça qui vient arriver dans l'indépendance, pas nous-mêmes. Sous la Boukman, dans la cérémonie Bois Caïman, il dit cérémonie Bois Caïman, mais Boukman, c'était un musulman. Il a dit Kaï Imam, mon musulman, chef prêtre musulman, il est imam. Il a dit, on parle Kaï Imam, mais au vient de grande déformation, dit Kaï Imam. Bois Caïman. Pour le monde qui est habitué dans la zone ça, il y a du Paris Caïman dans la zone ça. Okay? Mais il y aurait l'aile, c'est Caïman, il y aurait l'aile, déformé le Caïman. Boukman lui-même, qui était sorti Jamaïque, qui était voyé à Haïti, il y a un prêtre vaudou, mais en même temps, c'était un musulman. C'est ça, nous, le syncrétisme religieux. Nous-mêmes sommes en Afrique de l'Ouest. Avant de sortir de l'Afrique de l'Ouest, d'un côté, non, pas oublier Israël dispersé plusieurs fois. Dans la dispersion d'Israël, nous venons tomber dans plusieurs coins dans le pays africain. Et bien après, c'est même Haïtiens, même groupe mondial, même groupe hébreu, c'est même Mounsaïo. Ils ont fait jusqu'à présent, après qu'on s'est de côté en Afrique, comme Côte d'Ivoire, en pile l'autre côté encore, ils ont fait des zones propres, ils ont même culture hébreu, culture hébraïque. Ils ont considéré comme hébreux. Et ce n'est pas nos captifs à l'informer ou à joindre. C'est ça qui est important de besoin qu'on ait. Raison que nous faisons toute histoire, ça avait pour nous montrer, ou même haïtien qui l'a souillé, et qu'on doit prendre conscience. Dans la cérémonie Bois Caïman, chef Caïman, l'élève tout Dieu, l'interpelle tout Dieu, vaudouyo, pas paraître. Eh bien, qui laisse te relève, te fait prière, relève Dieu qui crée celle-là avec terre. Même côté, l'appui est doux, ciel la tient branle, l'appui, l'orage a grondé, les éclairs, le ciel l'embranle. C'est même Jean, ça t'est fait dans 2 Chroniques 20, les Josaphat, t'es gué problème avec le peuple qui t'est entouré, lui. Les royaumes Juda, t'es gué problème avec le peuple qui t'est entouré, lui. Là, les connaît bon Dieu, et puis bon Dieu t'est délivré dans la bataille ça. C'est même bagaille qui est arrivé dans le moment de la cérémonie du Bois Caïman. Et c'est après la cérémonie, ça, parce que ça nous donne une conscience patriotique. Tout noyau sorti dans plusieurs tribus en Afrique, qui sorti dans Manding, en Afon, dans qui ça encore plusieurs, dans Kaplaou, sorti dans plusieurs tribus en Afrique. Eh bien, ils vont mettre ça ensemble, ils vont se frayer, puis ils bataille, puis ils délivrer, sorti dans ces chaînes d'esclavage. Et nous avons une force extraordinaire, nous craser force esclavage. Et pas oublier, il nous du tout, bon Dieu lui-même, c'est bon Dieu qui gagne autorité sur toute bagaille. Bon Dieu, t'es ouais, Jean esclave, Jean grand-parent, nous avons souffert. Il permet de être indépendant. Il y a deux batailles pour indépendant. OK? Et ça, il faut apprendre, noir et rouge, que Dessalines de Vinavelle là, qui se couleur tribu. En disant royaume Juda, noir et rouge, le lion de la tribu de Juda, ou après, dans l'ancien drapeau pays d'Haïti, ou après, gros texte marqué, il y a deux lions, il y a deux lions qui croisaient ensemble comme symbole, eh bien, soit regardez dans l'ancien drapeau, noir et rouge, regardez ça pour eux, eh bien, c'est parce que grands-parents nous, te connaissent eux-mêmes, c'est hébreu. Ils connaissent Hébreu, ils connaissent qui ça. Mais pas oublier, il y a toujours le peuple Israël là, son peuple
de syncrétisme religieux qui toujours mélangeait bon Dieu avec Satan. Avec, c'est comme ça, ils ont toujours servi. Ils ont servi avec Dieu. Parce que bon Dieu, tu fais reconnaître qu'ils sont Dieu qui jaloux, pas d'accord ça. Et ça fait, bon Dieu fait tout le temps la punir, peuple Israël, pour même bagaille ça. Israël pourra diviser. Après, pas oublier, Israël, en voie divisée, en voie division, l'y passer en disant, en roi, comment il est encore, et le premier roi de guerre, c'était roi, et disons, Saül. Sont-ils sont dans Saül, qu'on est là, l'y prend David. David, qu'on est là, parle de petit Salomon. C'est sous Salomon qu'on est là, pays a pas divisé. Parce que Salomon, sous ta même garde dans. Et il va lire tout pour même. Et il va regarder toute l'histoire dans le livre. Il explique tout. Ou après Salomon, tu apprends commencement dans un roi. Après l'histoire Salomon, Jean-Monsieur, tu es venu dévier dans mon Dieu. Eh bien, bon Dieu lui-même, du fait qu'elle déviait, bon Dieu qui était royaume divisé dans même. Sous tu apprends un roi, chapitre 12. Nous ne pouvons pas prétendre lire tout pour nous-mêmes, parce qu'il est avancé. Dans 1 roi chapitre 12, on apprend exactement côté peuple Israël là lui-même, comment Livine dévier. Roboam, petit Salomon, dirigeait deux tribus lui-même, ça a eu le royaume de Juda. OK? Royaume de Juda, Israël vient diviser en deux sous Salomon. Après la mort de Salomon, ou bien royaume du nord, qui c'est Israël, qui était pour capitale Samarie, qui a 10 tribus là-dedans, y compris tribu de Lévi, même la tribu de Lévi, pas accepté, ça je vois vraiment déjà, tribu de Lévi pour plus travail de concert avec un royaume du sud là, qui c'est Juda. Juda lui-même, des tribus là-dedans, tribu Juda et Benjamin, deux tribus. Eh bien, on parle de deux tribus ça eux-mêmes, ils prennent choisi mon Dieu, l'île David là. Mais royaume du Nord lui-même, qui ça le faire, d'ailleurs, lis ça pour comprendre, c'est très important. Dans 1 roi 12, on parle à côté, mais peuple haïtien comprendre, son bail nous. Nous parlons de ça, nous avons un pile de messages sur ça, sur YouTube là. Mais nous voulons bien saisir ça pour comprendre l'histoire du pays d'Haïti. Pour comprendre côté nous et qui type de peuple nous. Donc, pendant 1 roi 12, verset 25 à 31, avant ça, nous avons de montrer, nous avons de prendre verset avant yo, pour nous montrer Roboam lui-même qui travaille l'IFE. On nous prend verset 21. Bon, nous titan a pour dire l'île pour même. Peut-être nous apprenons 10, 11, 5 à 10 minutes. En plus, dans l'heure, nous comprenons. Dans l'heure, là, de finir. Léoboram rivé, verset 21. Léoboram rivé la ville de Jérusalem. Lui semblait ses 80 000 soldats, nan pif bon soldat, qui était dans la branche famille Juda, avec la branche famille Benjamin, pour l'Algoumé, avec mon pays Israël. Yo. Pour le mettre en bas, l'ordre lit encore. Mais bon Dieu parlait à Shemaya, prophète d'IA. Il dit comme ça. Avant d'aller plus loin dans tout ça, Benjamin qui mettait l'ensemble avec Judas, pas oublier qu'il y a une alliance entre famille David et famille Benjamin. Saül, c'était une famille Benjamin, c'était un Benjamin. Saül, David, pas oublier, t'es madame ni, au petit Saül, qui est le Milka. Et pas oublier, bon ami David, Jonathan. C'est-à-dire qu'on alliance, dans ce que vous bien comprendre, ça, mes amis, qu'on alliance en deux familles Saül, famille Judas et Benjamin. C'est pas sans raison, Benjamin, ensemble avec Judas. Son alliance qui est faite, entre les deux. OK? On continue pour vous-même. Peut-être ça que nous vous expliquons au livre, vous pouvez lire ou pas prêter attention à ça. Moi-même, c'est comme ça l'évangile, la parole de Dieu, c'est un bon Dieu pour ouvrir l'esprit, nous faire nous comprendre aussi les bagailles. Verset 23. Parlez à Roboam, petit Salomon,
Wapé Jida, ensemble à tout le monde qui fait partie branche famille Jida avec branche famille Benjamin. Dis yo, même ça et moi-même, Seigneur, moi voyez ba yo. Pas comprendre pour nous attaquer mon pays Israël. C'est famille nous yoye. Attendez bien, famille, mon sac division, c'est famille nous yoye, c'est même nous-mêmes. Il a dit, prends le royaume du nord, prends le royaume du sud, c'est même Israël. OK? Même là, divisé, c'est même Israël. Ils ont fait Jésus est venu pour te guérir, mon saïo. Et par sa raison, nous jouons dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine, non? Jésus t'a rencontré l'Empire pour être capable d'évangéliser mon saïo. Parce que c'est même famille. Non? Parce que Jésus est venu, c'est pour les enfants perdus d'Israël. Il est venu. Nous croyons comme ça déjà. N'a pas avancé. Moun yo koute, l'ordre Seigneur a vrai. Yo tout à la kayo, Jean Seigneur a te dit yo. Jobora m'refonse Mirai rempart la ville Sichem, nan bon pays Ephraim. C'est là la rete pour yon temps. Après ça, li quitte Sichem, la renforce Mirai rempart la ville Peniel. La fini Jobora m'di nan Kelly. Jean Saye konye a, gouvernement pral tourner dans même monde famille David yo encore. Parce que si peuple a gain pour monter la ville de Jérusalem, chaque lèvre pour yo touye bête pour se à dans temps plan, rivé yon lè, y a tourné al joine Roboram. Ou a pays Jida, lè ça, y a touye pour y al joine li encore. Tendez bien oui, ça c'est Jéroboam, wa royaume du Nord. Israël qui fait et déclaration ça. Là, lui, fin fait l'idée ça, lui fait deux statues taureaux, vous m'excusez, deux statues taureaux en or, et puis lui dit, peuple là, nous, tenez bien, deux statues taureaux en or, nous montons contre nous, qu'on y a la ville de Jérusalem pour faire service. Nous-mêmes, mon peuple Israël, mais bon Dieu, pas nous. Bon Dieu qui t'a fait nous sortir pays, qui t'a fait nous sortir qui t'a payé l'Égypte. Ouais, comment peuple ingrat? C'est le même genre avec Haïtien. Son peuple qui est ingrat en pile. Pour Jéroboam, c'est toi, Béfio, qui t'a fait quitter l'Égypte, sortir dans l'esclavage. C'est ça, Haïtien toujours dit. C'est Vaudou qui fait nous quitter l'esclavage. Est-ce que nous disons Vaudou par là-dedans? Nous ne pouvons jamais dire. Parce que nous sommes capables de mélange, nous disons ça encore. Mais c'est bon Dieu qui fait nous sortir en esclavage. C'est bon Dieu qui retire nous en esclavage. C'est très important pour nous comprendre ça. L'imete yon dans les statues, attendez bien, oui. L'imete yon dans les statues, Toroyo, la ville Bethel. L'imete l'autre là, la ville Don, attendez bien, oui. L'imete yon la ville Bethel, l'imete l'autre là, la ville Don. C'est comme ça, peuple arrivé fait ça qui est mal. On parle de Donna qui s'allie. Donna, c'est une petite Jacob. Et on parle de comment, tout d'abord dans Genèse, chapitre 4, pas oublier en Haïti, nous avons un esprit, nous doit dans vos doux, les Dambala, qui dérivait de Don. La Bible, dans toute histoire, nous avons bien compris, les peuples ici, même pas attendre. Si vous prenez Genèse 49, verset 16 à 18, vous pouvez voir à qui ça la Bible attribue Dan. Alors, nous prenons la créole pour nous comprendre. C'est pas moi qui dis. Genèse 49, verset 16 à 18. C'est à 18, vous pouvez Dan a un chef pour peuple. T'as un proche dans la famille Israël. Dan apte kou yon serpent, tambe bien, apte kou yon serpent, bo gran chemin, yon serpent mechan, sou bo route la. Lap mode chwal yo nan talon, pou l fè kavalyo tombe sou tèt. Se Dan ka fè sa. Se sa fè, gen moun ki pa kompran, nou ka di sa, bon Diyo nan omniscience li, nan omnipotence kontou bagay, Dan nan bon Diyo reta kont ki sa danye, di ko bay la yon serpent. L'autre Dambala qui s'allie en Haïti, il dit c'est loi couleuvre. C'est serpent qui identifié par Dambala.
C'est de nous bien comprendre haïtien. Zadi, là, nous, royaume d'Israël, là, royaume du Nord et royaume du Sud, c'est même peuple bon Dieu à eux. Youn a rébellion à bon Dieu, l'autre là, plus ou moins. Judas est pas bon bon, non, royaume Judas. Toujours, lui, plus ou moins. Mais il devient plusieurs fois Judas aller adorer Baal, tomber dans sa pas bon, plusieurs fois, oui. Plusieurs fois. Et ça fait tout. Il était tombé dans l'esclavage. Il a fait tomber dans l'esclavage. L'on prend Ésaïe, chapitre 1er, verset 2 à 9. Bon Dieu a expliqué, prophète Ésaïe, bon Dieu parlait à prophète Ésaïe, pour le parler de, avec peuple Juda, pour attitude que vous avez. Son peuple, Ésaïe fait reconnaître, bon Dieu a parlé à travers Ésaïe, bouille la koun met li, mais Israël lui-même pas koun met li. C'est comme ça Haïtien, c'est comme ça nous, peuple haïtien. Je lis en créole, je lis en créole, parce que tout le monde comprend, il faut nous lire en créole. Alors, nous prenons Isaïe 1er, verset 2, pour même à continuer. Oui, même avant d'aller loin, nous voulons voir qu'on est que nous pouvons bien comprendre l'histoire d'Anna. Jéhoboam, lien salé, yon vodor, abetel yon adan, pour peuple adorer, comme bon Dieu. Les affaires, les clés, mes amis, pas qu'à sortir de là. Nous-mêmes, Haïtiens, nous, c'est Hébreux. C'est même Israël là qui divisait, et ses grands-parents nous ont venu avec, depuis dans des désert qui venaient avec sa nourriture, Vaudor, Vaudou. Les Aaron défendent tout l'oyo pour faire un Vaudor pour le peuple adoré. C'est très important. Et peuple Israël là, son peuple courait. Même j'avais peuple haïtien. Et pendant des semaines, à travers la Bible, l'histoire du peuple Israël, nous parlons de son peuple courait de lui. Et comment le pays courait de lui. À nous regarder dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 2 à 9. Le Seigneur a dit comme ça, ou même celle l'a coûté, ou même la terre par les oreilles. Parce que moi-même, Seigneur, moi prends le parler. Petit point, t'es occupé, yo. Petit point, t'es élevé, yo. En parlant de nous-mêmes, des mondes pas bon Dieu. Mais yo, vieux de bon moins, nous vieux de bon Dieu. Israël, moi et ma veuve, nous vieux de bon Dieu. Bœuf qui bœuf, qu'on est mettre lit. Bouille qui bouille, qu'on est côté mettre lit, bal manger. Attendez bien, oui. Bouille qui la débrouille, on bouille, dit qu'on mettre lit, comment c'est rani. Ils vont mettre la poudre manger bali. Ou bien un chien bête domestique, soit bête domestique ou bien, depuis le mettre le compte mettre. Bon Dieu considère nous-mêmes, nous ne pouvons pas mettre nous. Mais peuple Israël là même, pas contre bagaille comme ça, nous ne pouvons pas comme ça. Peuple moins, peuple moins, pas comprendre rien, nous ne pouvons pas comprendre rien. Malheur pour pays noir, côté tout le monde à vivre dans le péché. Malheur pour peuple qui plaît crime. Sous conscience, yo. Plein crime sous conscience non haïtien. Pour as moun sa yo ka fè sa ki mal. Pour bonne petite sa yo ki fin perverti. Yo la ge pied bon Dieu Seigneur. Yo pa occupé bon Dieu peuple Israël là qui yon bon Dieu a pas. Yo vire do bali. Pour qui ça n'a plaidé de fè tête dit comme ça. Pa gen côté encore pour yo frapper nous, toute tête la malade. Pa gen corps encore pour supporter. Depuis notre tête, nous arrivons en bas plat, pied nous, notre côté, notre corps, nous qui pas malade, c'est blessé, c'est foulaille, c'est sang qui a coulé, yo pas nettoyé, yo pas maré rien sous yo, yo pas mettre médicaments sous yo pour calmer douleur. Pays noir fini, Haïti, pays noir fini, Israël du dernier temps fini, Israël pays bon Dieu a fini, Israël spirituel l'Haïti. Le fini. Le fini. Dix fait, fin boulet toute la ville nous y aura raté. Oui. Ou carabou, ça a passé aujourd'hui. Te dix fait tout côté. Moun lot nation yo pillé tout jardin nous yo. Là devant genou. Étranger en train d'Haïti yo pillé devant genou là. Yo crasé pays nous devant genou. Yo fini à tout bagay dans pays à net. Yon sel l'affliction tombe sous nous. Tant qu'on a l'ennemi passé dans le pays, nous. Yon sel l'affliction tombe sous Haïti.
tant que les ennemis ravagés, tant que les bêtes ravagées, yon jardin, ennemis entrés sous nous ravagés. La ville de Jérusalem était pour contre lui, sous de bonnes sillons, tant que yon petit joupa, tant que yon petit tonnel, dans le temps jardin, l'ennemi s'énerve tout partout. D'après exemple, si on a pris exemple palais national, nous avons identifié la Jérusalem. Nous avons pris exemple ça pour nous-mêmes. Qui représente le peuple là, maison peuple là, caille peuple là. Côté président de l'ECG. Eh bien, palais national, depuis après le tremblement 12 janvier 2010 là, eh bien, l'écrasé, il n'y a pas de reconstruit. C'est toujours pas, il fait dans la cour pour président arrêté. Pour président, pour, comme office président. OK? Nous montrons son pays qui finit devant chez nous. Et toute institution nous a crasé devant chez nous. Et des gens jouent à craser devant chez nous. Raison fait ça. Parce que nous sommes bons méchants. C'est une qui a mangé l'autre. C'est une qui a détruit l'autre. C'est une qui a fini avec l'autre. C'est une qui a fait un coup de couteau sous. Qui a baillé l'autre coup de couteau dans le dos. Haïtien, c'est lui-même. Bonjour, bonjour, Haïtien, par la vérité. C'est ça que nous disons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas mettre tête ensemble pour nous faire rien. C'est une qui a baptisé l'autre. Une a détruit l'autre. Une ne pas mettre tête ensemble pour vivre avec l'autre. Tout le monde s'y intéresse pas. C'est comme ça Israël a fonctionné. Israël, du temps passé, comme ça a fonctionné. Et c'est même nous-mêmes, je dis, attaque Israël. Nous voilà très bientôt dans notre message, nous avons pile d'arguments pour nous montrer que nous sommes Israël. Et il y a des preuves en Haïti même qui montrent ça. Eh bien, c'est comme ça nous diviser. Une raille l'autre. Une pas mettre tête ensemble pour servir mon Dieu. Haïtien toujours dans le mélange. Même ça qui n'a bon Dieu, qui dit dans le bon Dieu, dans l'évangile, c'est affaire à défendre. Ça te fait triste en ce maintenant pour donner des pasteurs et qui en discussion pour l'église dans nos ennemis à Gouane. Qui bataille pour prendre l'église. Ils ont l'église mission. Si c'est travail bon Dieu lié, ils ont pasteur non mission, ils ont pasteur non l'église pour mission. Quel fait nombre de temps dans la mission? Quel travail? C'est travail bon Dieu l'a fait. Nous tous quatre travaillons ensemble. Mais si l'argent qui a défendu, ça devient triste à entendre. Nous, aujourd'hui, affaire spiritualité, affaire bon Dieu, pas dans quel monde encore. Même là, dans l'église, c'est affaire l'argent, et manger, à bataille, de manger par l'église vraiment. Ils affaire nègre là dans l'église, ils ont le diable, ils font tout le bagaille, ils ont pile vieux esprit en bas chez lui, combien de coups en bas chez lui pour le caraler le monde. Faire toute vie action, parce qu'ils n'ont pas un bon Dieu vraiment. Ils n'ont pas un bon Dieu. Nous sommes un peuple qui est loin de la face de Dieu. Même avec Israël. Nous va montrer dans la semaine qui a fini, nous va montrer comment prêtre Israël, sacrificateur, comment on a servi. Ça, c'est ce qu'on a fait. C'est même bagage aujourd'hui. Les chrétiens, les leaders d'Haïti, leaders évangéliques, a fait aujourd'hui. Nous avons besoin de retourner, venir joindre mon Dieu. Parce que vie nous l'aide. C'est ça qui fait aujourd'hui, on a payé les conséquences. Israël paye les conséquences. Israël, même le peuple bon Dieu lié, il subit plusieurs dispersions. Premièrement, après distribuer, la Syrie était envahie. Pays la Syrie, la capitale Ninive. Envahie, ils ont occupé, ils ont pris le monde, ils ont dispersé, ils n'ont pas jamais retourné. C'est ça, on est la distribution perdue. Qu'on a retrouvé dans nous-mêmes, dans toute l'Afrique, on a retrouvé nous. Ils n'ont pas pillé un peu partout. La distribution perdue. OK? Ou pas du peuple Juda qui était, qui prend occupé par Babylone sous l'époque de Nebuchadnezzar. Eh bien, même c'est pas à cause, même ça, Esaïe, ça dit nous là. Esaïe, c'était un prophète dans la même époque, ça y est. Il a parlé avec le peuple là. Mais on a tout le qui va bon. Il a fait toute vie action. Mon Dieu, viré de Bayo. Mon Dieu, quitté Babylone, entrer la caillou. Prends yo, occupé yo. Quelle graine qui n'est pas capable, qui était dans le pays, tout le monde qui était allé à Babylone. Je dis à nous, pas besoin de gêner pour nous dire, c'est le monde qui va jouer une façon pour quitter Haïti, pas quitter Haïti. En pile monde, en pile haïtien candidat pour quitter Haïti. Est-ce que nous avons contre nous? Nous pas, c'est pas contre nous, contre nous. Pas faute nous. Moi-même, qui pas Haïti, si je suis Haïti, je suis là-dedans, je suis dans l'histoire, tout. Pas nous sincères. Et parce que nous dehors pour nous dire non, nous pas de fête. C'est pas faute. Parce que moi-même, tout le monde qui a vécu en Haïti, je dis, c'est héros.
C'est héros, même le papa ici, c'est héros, nous yé. Mais haïtien, quand vous venez, toujours dit, c'est héros, yé. Vous attendez son bal, journée, la journée qu'on a nuit, vous sortez, vous racontez à rentrer, son peuple héros. Son peuple héros. Mais je dis à nous montrer, nous, son peuple qui dispersé, que tout haïtien, même je sais qu'on fait, il a fait pour nous, pour Babylone, il a fait pour Israël, et bien c'est arrivé pour Haïti. Israël, on pourrait je dis, il y a plusieurs programmes, Canada a un programme, États-Unis a un programme, Brésil a un programme pour tout haïtien quitter Haïti. Ça a été fait pour Israël. Il a pris Israël, dans le royaume Juda. C'était un monde qui a une capacité, un monde qui est capable. Il a pris tout. Vous avez pas joindre 4 jeunes hébreux à Babylone. Vous pas joindre Daniel avec compagnon. Yo prend tout. C'est ça qu'ils ont fait de nous, le pays d'Haïti, je dis. Nous sommes Israël. C'est juste pour nous reconnaître grandeur, mon Dieu. Et même nous-mêmes qui dehors, faut nous reconnaître. Haïtiens doivent reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous devons reconnaître bon Dieu. Nous devons reconnaître ce bon Dieu, bon Dieu. Si vos dors, vos doutes sont levés, nous t'en levé déjà. Parce que nous levons, nous grandissons là-dedans. Tout haïtien, même là, par contre, verser au bon niveau de tout haïtien, c'est évoluissant. Moi, dis, le gars, c'est pas comprendre qui va éduquer, pas comprendre son abdi. Mais nous disons, tous les haïtiens sont évoluissants. Ou que nous ne sommes pas pratiquants du vaudou, mais racines nous sont là-dedans. Ou que nous ne sommes pas pratiquants. Eh bien, bon Dieu voulait pour nous pas adorer, mais ça pas arrêter là-dedans. OK? Pas suivre trace distribuée, pas suivre trace. Israël, royaume du Nord, pas suivre trace là. On ne peut pas adorer Vaudor, on doit adorer les vrais dieux, on doit adorer les dieux d'Israël, on doit retourner à Jérusalem, on doit retourner à la Caïnou, on doit retourner venir une papa nous. C'est ça nous besoin, peuple haïtien. Je dis à nous pour conscience, à nous pour conscience, à nous pour conscience. Par contre, pour qu'ils ont bon Dieu, bon nom, ce type de message ça, et bon Dieu. À la dernière minute, on a préparé le message, bon Dieu, bon type de message, ça, pour un nombre de temps. Haïtien, doit prendre conscience. On connaît grand pile haïtien qui parle juif. Grand pile haïtien qui parle fâché, là, on ça. Mais haïtien, ou c'est Israël, ou c'est hébreu, faut prendre conscience. Prendre conscience, nous faisons prise de conscience. Nous faisons trop de bagages qui mal. Haïtien, pas qu'à vivre avec frère, mais haïtien, d'où? Non, étranger, qui a parlé de haïtien, d'où ne pas peuple comme ça. Haïtien vit avec frère, c'est chien manger chien. Tous Haïtiens vivent avec frère. Même si Haïtien était bon monde, depuis la collaboration avec un frère, un seul, même mon avel, il traitait le mal. Mais étranger, il prend l'élevé en l'air. Là, prend étranger, la balle, toute bagaille. C'est comme ça, Haïtien. Il est pour nous changer mentalité, nous. Mentalité, nous avons besoin de changer le peuple haïtien. C'est mentalité, nous, pour changer. Nous avons besoin d'un réveil. C'est un réveil spirituel d'abord qui vous fait claquer nous, et puis pour nous qu'on réveille, pour nous gagner une révolution pour faire. Nous sommes une révolution. Ce n'est pas une révolution qui a prôné dehors, mais c'est une révolution spirituelle. Ça n'a prôné là, c'est pour faire. Changement de mentalité, nous. Changement de comportement, nous. Changement de comportement, nous. C'est ça. Nous avons besoin de prendre la parole de Dieu. Nous avons besoin de retourner à prendre la parole de Dieu comme boussole, nous. Servir mon Dieu comme boussole, nous. Suspendre, si. Si pile gros pile, si span nan ve zafè moun, si span nan tripotay, si span nan krasè yon not, si span nan touye frè avèk sè ou, si span nan vole sa fwa sa ou gen, si span nan krasè moun, se yon dwe supporte lot. Se kon sa nou dwe viv an tak Israel, pe bon Diyo. Men, toutan nou pa kon sa, bon Diyo a fè nou pe konsekansan pou nou retounen a li men. Je di a wapwen, le pep d'Israel, nou son kran pep, trè bientou se va preche yo, dans la période dans vivre là, en pile là-dedans, on parle de gros messieurs, on va mettre dehors. Même Jean-Jodia, ils ont mis au fort qu'on est que disciples, là aussi, de Poutine, fort qu'on est que disciples, Jésus c'était noir, m'a passé depuis des années, et bien très bientôt, ils vont mettre des bagailles ça au dehors tout. Mais fort qu'on est qui peuple où il est. Nous-mêmes, Haïtiens, nous ne sommes pas n'importe peuple. Nous sommes hébreux. Nous sommes hébreux. Encore, m'a tout ça, même pas content, nous sommes hébreux. Et nous avons des preuves. Et il y a des preuves scientifiques tout qui montrent que nous sommes hébreux. Nous avons des arguments, nous allons faire très bientôt pour Baou. Nous sommes hébreux. Nous devons changer notre mode de vie, nous. Haïtien en bataille, tant que moi, je bataille pour mettre une mission, pour faire travail. Je veux un monde qui bataille pour venir avec nous. Mais c'est méchant, voilà, le monde qui est dans le diable, il y a bien tout à venir sur lui-même. C'est comme ça. Pas plus jeune monde qui est écrasé, nous, que le monde qui est collaboré avec nous.
C'est mentalité à ça. Il est pour nous ouvrir juste spirituel, nous, pour nous comprendre. Il est pour nous retourner à bon Dieu, peuple haïtien. Et ça, nous besoin. À nous retourner à bon Dieu. À nous servir, bon Dieu. À nous faire, bon Dieu, nos confiances. Nous devons que nous comprendre. Nous devons mettre tête, nous, ensemble, peuple haïtien. Pour nous prendre conscience de l'État, nous. Pour nous prendre conscience que nous tombons dans ce qui est mal. Pour nous prendre conscience que nous ne sommes pas contre bon Dieu. Pour nous, pas contre, même nous qui sommes dans l'évangile, nous avons détruit le monde pareil, oui. Frère, nous parfois dans l'évangile ensemble avec nous. Pour danser, oui. Et puis, nous avons tout le grand Bible dans la main, oui. Nous avons tombé dans bon Dieu, oui. C'est comme ça nous servir. Il est pour nous prendre conscience, peuple haïtien. Il est pour nous prendre conscience. Et au même cap tandem, tu peux qu'on fait la paix avec Christ. Je vais encourager à faire la paix avec Christ. Prends mon Dieu pour sauver. Prends Jésus, accepte Jésus dans la vie ou même. Ou capable de faire. Ou capable écrire nous sur WhatsApp. Ou capable de nous, mais écrire nous sur WhatsApp. Non, numéro, nous sommes numéro public lié. Même là, nous avons un mauvais appel, nous pas de problème. Écris-nous sur WhatsApp, 786, 786 443 0117. Écris-nous, bon nom, information de vous-même, et au moment opportun, nous prions les vous. Si c'est la prière, besoin pour nous prier, nous prions. Et pour une raison pour laquelle, pour une raison pour une autre, vous m'excusez, pour une raison pour une autre, nous pas baou téléphone Haïti pour aider. Dans le moment, nous vivons là. Mais vous êtes les moi-même. Je vais être relève. Il est pour nous changer. Il est pour essayer de prendre conscience. Il est pour nous prendre conscience. C'est une conscience que nous avons besoin. Haïtien, d'ailleurs, nous avons besoin de prendre conscience. Et en plus, Haïtien qui a crié, qui a fait une solution, nous pas crier puis devant. C'est qu'on a commencé à crier. Mais nous presque fini de crier, oui, parce que bon Dieu va nous délivrer, nous. Tout ça que fait Haïti, presque fini de faire. Bon Dieu va nous délivrer, nous. Nous pas le délivrer. Haïtiens dehors, nous tous Israël, même Jean, Esdras, Néhémie, t'es retourné. Pour construire, nous parlons retourner. Pour construire la caille, nous. Nouvelle Jérusalem, nous. Haïti, nous parlons retourner pour nous construire. Pays, nous. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu ouvre nous. Que bon Dieu permette de comprendre la réalité, ça, nous. Que bon Dieu permette de comprendre qui est souillé. Haïtiens, captons de nous de partout. Ou même qui chrétiens, ou même qui sont avec nous. Alors, continuez de faire travail, ça. Pour nous, ton réveil. Ou même qui est en mission, ensemble avec nous. Invitez nous depuis partout à travers le monde. Mais ça se avec nous, pour nous faire travail, ça n'a fait. Et nous avons tout supporter le travail là. Ou bien, puis partout à travers le monde, supporter. Parce que les amis, nous, les compatriotes, nous, en Haïti, nous avons envie qui dure. Nous avons besoin de supporter. Et qui est pour entrer ici, tout, il faut jouer un support. Nous avons besoin de support. Nous avons besoin de supporter l'autre dans le moment. Travail là, pour nous faire. Il faut nous mettre ensemble pour nous faire. Mais nous parlons de délivrer. Nous parlons de sortir côté de nous hier. Mais pas oublier, en compte maintenant. En compte maintenant, c'est ça très important. En venant jeune bon Dieu. Que bon Dieu bénisse. Amen. Amen. Bon Dieu, merci pour le message. C'est Jabba dit, le changement de la caille pour le commencer d'abord. Après ça, pour le passer devant tout le monde et pour le pays capable de changer. D'avoir changé ton cœur après ça. Capable prier pour capable bailler bénédiction. Jésus, mon Christ au calvaire, les cris.